Voilà, fichier. Je l'ai fait dans mes collègues. Après, je colle, je mets les fiches à l'intérieur. Voilà, c'est comme ça que je prépare le lit. Après, on met les... Après, on met... Sur la tranche, c'est le BD, le nom de l'auteur. Voilà, le nom de l'auteur est... Voilà, le genre littéraire. Après, on le rentre dans l'ordinateur. Voilà, et après... On les arrange sur les étagères. Voilà. Et ici, il y a à peu près 4000 livres. Ça ne paraît pas parce que c'est agencé un peu. Mais voilà, il y a 4000 livres, on les a. Voilà. Et les étagères aussi, chaque étagère, il y a le genre, le document, on écrit, on colle sur l'étagère. Les élèves se repèrent. Voilà, on sert de repère pour les élèves. Alors, il y a beaucoup de documents de littérature scolaire, puisqu'il y a à la fois ce qu'on étudie au collège et au lycée. Oui, au lycée, oui. Par exemple, il y a le Père Goriot, il y a tout ce qu'on vient d'étudier, donc ça, c'est plus les classiques, entre guillemets, français. Et là, il y a tout ce qui est littérature africaine, avec aussi tout ce qui est étudié au collège et au lycée. Et au lycée. Avec une si longue lettre, sous l'orage, voilà tout. En haut, il y a la poésie. Voilà, et il y a un grand rayon théâtre là-bas. Voilà, de l'autre côté, c'est des profils bas, des romans français, des encyclopédies. Et récemment, là, on a reçu une encyclopédie mécanique électricité, voilà. Pour les élèves qui font du technique. Et de l'autre côté, c'est les dictionnaires français, allemand, français, anglais, français, espagnol, français, italien. Voilà. Et il y a la littérature étrangère par là. Oui, qui est en bas. Donc, il y a allemand, néerlandais, espagnol, italien, anglais. Et de l'autre côté, il y a les annales. Est-ce que c'est important, les annales? D'accord, on est bon. Voilà, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous êtes? Alors moi je m'appelle Marie-Laure Théron-Galtier, je suis la présidente de l'association CAFOSAS. Alors CAFOSAS existe sur la commune de Cafontine depuis 23 ans. On a commencé nos actions au niveau du village de Boune, à la demande des parents d'élèves qui souhaitaient qu'on les aide à construire une école. Donc on a construit l'école avec eux, on a amené l'argent et les matériaux et eux construisaient, et nous aussi quand on y était. Donc on a participé à la construction de 3 salles de classe, plus une maison des enseignants à la demande des parents. Et c'était la deuxième maison d'enseignants à l'époque de toute l'académie de Bignonat. Donc c'était... plus-value pour le village. Au fil du temps, on a suivi les élèves de cette école. À la demande des parents, on a participé au soutien collectivement de leurs études. C'est-à-dire qu'on a des parrains en France qui soutiennent le collectif d'enfants qui sont scolarisés au collège, au lycée, maintenant dans des études supérieures. Les parents payant, nous on fait toujours, on est très vigilants à travailler moitié-moitié avec les parents, dont les parents payent la moitié des frais et nous on paye le trousseau des élèves, c'est-à-dire les crayons, calasseurs, cahiers, etc. Et ces élèves-là ainsi que d'autres un jour nous ont dit mais on manque de livres, on n'a pas les moyens d'acheter des livres parce que c'est cher, donc on aimerait si c'était possible qu'il y ait une bibliothèque pour qu'on puisse accéder aux documents dont on a besoin. Donc c'est comme ça que la bibliothèque, l'idée de la bibliothèque a germé et qu'elle a ouvert ses portes le 14 avril 2011. Et comment vous usez le fonctionnement de cette bibliothèque? Alors cette bibliothèque, on l'a créée surtout et beaucoup avec Moussa Maïga qui est là. Donc on a cheminé un peu tous ensemble. Actuellement, il y a 2 bibliothécaires, Moussa Maïga et Marie-Jeanne Diatta, qui sont un le matin, un le soir, et qui accueillent bien sûr les scolaires et les élèves qui viennent chercher des livres ou rendre des livres. On a amené des livres au fil du temps, on en a beau acheter beaucoup aussi ici, parce qu'il faut des livres qui soient adaptés, ça c'est important, à la demande des enseignants. Les enseignants nous ont donné des listes, enfin on s'est adapté à ce qu'ils nous demandaient.
A priori, je pense que tous les gens sont satisfaits de ce qu'ils trouvent dans la bibliothèque pour l'instant. Bon, un constat a révélé que depuis votre installation dans la commune de Cafontine, il y a un niveau très élevé au niveau des lycées, du lycée de Cafontine, même aussi au CM de Cafontine. Qu'est-ce qui a dû à tout ça? Alors, ce qui a dû aussi quand même, et c'est important, potentialiser l'action de la bibliothèque, c'est aussi le fait qu'une bibliothèque, c'est fait pour sortir de ses murs. Laisser des livres dans une pièce, c'est pas toujours bon. Donc on a choisi de proposer des séances de ciné-club et des cercles d'épalabes, c'est-à-dire des cafés philosophiques. Donc dans ces deux activités, c'était surtout Annie Rousset, qui est une membre de CAFOSAS, mais qui est partie maintenant depuis l'année dernière, et Michael Malangiata, qui est le prof de philosophie du lycée de Cafontine, qui ont beaucoup œuvré et animé ces séances de ciné-club et ces cafés philo. Et je crois que c'est un peu aussi ces séances-là qui ont ouvert l'esprit, la curiosité des jeunes lycéens. Voilà, donc je vais voir le monsieur à côté. Vous êtes monsieur ? Moussa Mamaïga. Moussa Mamaïga, quelle est votre fonction ici ? Je suis le bibliothécaire. Donc le bibliothécaire de la commune de Cafontine. Donc comment vous jugez vraiment la présence des élèves ici? Bon, la bibliothèque, elle est fréquentée en réalité. Voilà, donc je vois déjà, c'est une illustration déjà. Donc des fois on est même débordé, surtout les jeudis et les mardis, on est très débordé. Donc, je peux dire que la bibliothèque a son importance. Voilà, en tant que gérant, vous pensez que cette bibliothèque peut contribuer à la réussite des élèves qui sont ici dans la commune? Oui, bien sûr, pour les élèves. D'ailleurs, les élèves, bon, c'est les enseignants les orientent au niveau de la bibliothèque. Parce que les œuvres au programme, ce sont ces œuvres au programme qui sont ici. Alors, et comme il n'y en a pas assez dans les écoles, alors ils sont obligés d'orienter les élèves vers la bibliothèque. Donc, ce qui fait que eux aussi, ils trouvent leur compte ici. Donc, quel genre de livres on peut trouver ici à la bibliothèque? Il y a plusieurs genres de livres. Par exemple, il y a des livres de littérature africaine, des livres, les œuvres au programme. De la littérature africaine, il y a le théâtre, il y a la philosophie, il y a aussi la poésie, il y a la littérature scolaire, il y a même des livres de cuisine, oui, et une partie pour enfants, des livres pour enfants, il y a des anabacs, des anabrevets. Je crois que tout ce que l'élève a besoin, il pourra trouver ce qu'il a besoin dans cette bibliothèque. Parce que le programme en tant que tel, on est orienté par les enseignants eux-mêmes. Donc moi je suis là, je demande le programme des élèves, les livres, les œuvres au programme. Et moi, j'envoie au niveau de CAFOSAS en France, qui trouve des livres à partir de la France. Et trouve d'autres livres à partir des librairies comme Dibekel à Ziguinchor. Donc, c'est comme ça. D'ailleurs, ils ont même apporté quelques livres de littérature africaine. Et donc, je vais donner le micro à M. Yves Gratier. Bonsoir. Donc, tout le monde te connaît ici à Cafontine. Ah bon? Depuis votre implantation à Cafontine, on vous voit partout. Depuis 23 ans, ce que je peux dire, c'est que j'ai été le premier président de l'association. Ma femme l'a été ensuite. Personne ne voulait être président. Au départ, personne. J'ai dit, je me lance. J'ai fait ici un peu la même chose. En ce sens que, quand il a fallu bouger, déménager, pour des choses concrètes, parce qu'on a déménagé une fois, deux fois, trois fois, et dans le coin du marché, on était, ensuite on est venu ici, bon. J'ai pu voir la bibliothèque se remplir et participer, se remplir de livres et d'enfants aussi. Quand Moussa parlait de fréquentation, c'est exact.
Je crois que ça doit monter encore. Peut-être il y a un effort de publicité, et c'est bien qu'on fasse l'émission, à faire pour dire que la bibliothèque était là-bas, au marché, elle est ici, parce que je crois qu'il y a des gens qui ne le savent pas encore. Voilà, je coupe. Et donc, voilà, je trouve que là, ça a pris... On est dans un rythme de croisière qui est bien, là, où il y a du monde. Que la bibliothèque est fréquentée, puis que ça semble convenir. Regardez aux enfants qui sont là maintenant et tous les autres. Voilà ce que je peux dire. Et le conseil que vous allez donner à l'endroit des élèves? Pour la joie des élèves? Mais c'est que je suis moi le premier joyeux de voir tous ces élèves venir ici et qu'ils puissent encore venir longtemps. Autant de fois qu'ils le veulent. Ce qui va sûrement aussi permettre de leur apporter ce qu'ils veulent pour grandir à l'école et passer d'une classe à l'autre. Pas vrai? Faut dire oui. Ok, merci beaucoup. Madame, je pense que la question que je vais vous poser, c'est une fois que l'élève a besoin d'un livre, comment ça se passe? C'est payant ou bien? Non, alors le choix, pour l'instant, ce qu'il faut quand même dire, et c'est important, la bibliothèque depuis un an et demi est à moitié municipale, c'est-à-dire que la municipalité paye le loyer et l'électricité du local. Nous avons à charge le défraiement des bibliothécaires et l'apport de livres, hein, pour la plupart. Donc, on a fait le choix, tant que CAFOSAS est encore présent au sein de la bibliothèque, que l'accès à la bibliothèque soit gratuit pour les scolaires, dont les scolaires ne payent rien. Quand je dis scolaire, c'est les élèves, bien sûr, du primaire, les élèves des lycées et des collèges, et les étudiants. Pour les adultes, c'est une inscription de 1000 francs pour l'année et ils donnent 100 francs par location de livres. Donc, c'est quand même pas très excessif. Voilà. Il n'y a pas énormément d'adultes qui viennent fréquenter, mais il y en a quand même quelques-uns parce qu'il y a un rayon BD, il y a un rayon policier, il y a des rayons de littérature. Donc, il y a des gens qui viennent. Donc, ça, c'était notre choix tant que. Voilà. On est présent. Après, la mairie décidera, elle, quand elle va accueillir en son sein les bibliothécaires, décidera de la conduite à tenir concernant le paiement. Voilà. Donc, quand un élève vient, normalement, il a affaire à un des deux bibliothécaires. S'il a un choix précis, il demande le livre et les bibliothécaires le guident. S'il n'a pas de choix précis, il regarde et puis il choisit. Dans chaque livre, il y a une petite fiche. Donc, cette fiche est récupérée par le bibliothécaire qui la remplit. Donc, il met le nom de l'enfant ou de l'adulte qui prend le livre et qui garde la fiche. Et sur un cahier, il note aussi le jour et le nom et les coordonnées de la personne qui a pris le livre. Il ne faut pas oublier qu'en début d'année, même si les élèves ne payent pas, il y a quand même des fiches qui sont remplies ou réactualisées pour savoir dans quel établissement scolaire ils sont, le numéro de téléphone du tuteur ou leur numéro s'il y en a un, de façon à les retrouver, parce que le gros problème qu'on rencontre ici, mais qu'on rencontre dans toutes les bibliothèques d'Afrique, c'est que les élèves ne rendent pas les livres. Et c'est embêtant parce que ça pénalise les collègues qui auraient besoin des livres pour étudier. Voilà. Voilà, donc on dit que la lecture est indispensable pour chaque élève. Et vous êtes d'accord avec moi? Ah, tout à fait, oui. Je pense que même si on arrive à lire sur une tablette, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élèves qui lisent sur une tablette, oui, je crois que c'est quand même un moyen d'acquérir à la fois du vocabulaire, c'est un moyen d'intégrer les bonnes tournures de phrases. Oui, bien sûr, c'est très important. Donc, vous qui nous suivez, je pense que vous avez compris en tout cas le message et que tous les élèves qui nous écoutent ou bien qui nous suivent, donc venez ici à CAFOSAS, c'est pas loin, et c'est juste à côté de la mairie, juste après la gendarmerie, mais faites le déplacement et venir en tout cas voir, visiter même et prendre des livres pour aller renforcer votre capacité. Et là, je veux revenir en langue locale pour que nos internautes puissent comprendre. De toute façon, voilà, donc, Moussaï Maïga Nangref. Jamarek, Alhamdulillah. Yang Sidiam. Santé Allah. Donc, nous avons fini la bibliothèque de Kafonti. Nous avons
Bon, bibliothèque, oui, bon, je vais vous dire que la bibliothèque d'abord, c'est bon pour les gens. Parce que nous avons tous les livres. La bibliothèque, les livres, nous sommes dans la bibliothèque. Alors, l'élève veut que nous avons tous les gens. Wow, donc, nous voulons savoir que la bibliothèque est fonctionnée. Bon, la bibliothèque est fonctionnée, vous voyez. Bon, nakala nek di fonctionner peut-être numay liguey wala ni ñi nu ñi ñowé. Bon, bu féké ci suma liguey la bibliothèque bi fonctionnement bi dafa yom té nañu élève yi la juñu kenn fay bo sawaré rek ñëwal ci bibliothèque bi nga jël livre nga dem jang nga délo ci ko bu féké magi la nak parce que magi dañuy bëgg xam xam. Parce que je suis un homme qui a été fait pour les gens qui ont été faits pour appuyer. Le livre est beau. Si vous avez fait un livre, le livre est beau pour toute semaine. Le livre est beau pour toute semaine. Pour toute semaine, vous avez indiqué. Vous avez fait un livre. Vous avez dit ah, je n'ai pas fait un livre. Nous sommes encore là. Maintenant, vous pouvez le faire. Jelat renouvelé moy français lu muy wax renouvelé nga renouvelé nga yobuat donc pour non lañuy fonctionner fi donc té bibliothèque bi bo ci sé mu taxaw aussi pour élève la donc élève mo tax bibliothèque bi am lepp luñu soxla mu ngi fi lepp la wax té luñu soxla en tout cas si c'est niveau ñom fuñu toll mu ngi fi. Donc, ce que nous voulons savoir, c'est que nous savons que ce qui est le temps n'est pas le temps. Mais ce qui est le temps, c'est qu'ils sont les 7 ans. Quel est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, c'est que je suis deux élèves et les parents. Parce que les élèves, lire, c'est ce qu'ils ont. Té bé paré lepp luñuy def boko outi wol ci livre yi do ko mëna def lepp mu ngi ci biir livre yi motax may ñaax élève yi nañu ñëw ñi ñëw xol ñi ñëw jang ci bibliothèque bi parents yi nañu pousse sen doom yi ñi ñëw ci bibliothèque bi pour ci ci xam xam parce que ñi def ñi indi bibliothèque bi ñom indi wuñu ko pour ñom. Ñom soxlawuñu ko ñom dañ ko indi pour dimbalé commune bi bo gisé kay ku lay dimbalé yoy defal lo xamni day gëna am ki courage dimbalé la bu nit ñi di ñew ñi gis ni luñu liggéey luñu indi ndeké amna ndëriñ mën nañu yok be defaat leneen waaw lool motax may ñaax élève yi ak parents yépp ñi xol ñu ñew xol lu nekk fi. Madame, vous avez accompagné Kafosaz à Kafontine. Dites-nous que, pourquoi vous avez eu le courage de venir à Kafontine accompagner Kafosaz. Ben, tout juste pour accompagner ma sœur et mon beau-frère. Et puis, ben, j'ai pris pas mal de livres dans les bagages aussi, du coup. On a profité de charger la valise. Voilà, c'est mon deuxième voyage ici. Et chaque fois, je suis contente de voir qu'il y a pas mal d'élèves qui viennent à la bibliothèque. Voilà. Donc vous encouragez en tout cas, quel est votre dernier mot? Ben, d'encourager tous les élèves à venir et peut-être aux enseignants, en parler à tous les élèves. C'est important que les professeurs, les enseignants, dans toutes les écoles le disent. Voilà. Pour toi, la lecture est indispensable? Ah oui, c'est très indispensable. Oui. Voilà, je vous remercie.